Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sakma pour la CAI. Nous voulons porter pour vous quelques updates sur la bataille qui a fait entre l'Ukraine et la Russie. Je crois que nous sommes sur le 36e jour. Nous avons un grand point. D'abord, il faut nous dire ce qui se passe qu'on est là. Il me semble que, en fait, il y a des aides humanitaires. Attendez bien. Il y a des aides humanitaires, convois humanitaires pour que nous manger. Mais là aussi, c'est Zio. Comment ça veut dire? Il dit, n'est-ce pas un problème à manger? Là aussi, c'est Zio, aide humanitaire. En fait, la Maison Blanche dit que il y a une évidence que la guerre aussi a mené contre l'Ukraine, c'est un désastre. C'est un désastre sur le plan stratégique. Bon, il est clair que on est capable sur plusieurs camps. Et en attendant, nous, là aussi, que nous connaissons sous 36 jours, on a gagné des fanatiques là aussi jusqu'au bout. Mais 36 jours à gommer avec l'Ukraine, bagaille pas fait Jean Bouteille, OK? Et donc c'est son véritable désastre. On monde capable dit bon, c'est vrai que gon bon pays cap ba là et l'Ukraine booster. L'Ukraine se voit zame tout côté. Gen monde qui dit c'est un seul pays contre c'est la Russie contre plusieurs pays. Bon, nous capable dit ça si nous valait aide cap baga. Mais sur le plan stratégique, on est clair que écoute guys, la guerre, c'est information qui fait ça. Je vais dire ça encore. La guerre, c'est information qui fait. Vous m'entendez tout le bagage. Gros âme, pas nécessairement fait la guerre. Non, zami, pas. Service d'intelligence. Pour connaître qui gens pour commencer la bataille, qui côté pour attaquer. Service d'intelligence. Donc, en clair, on est d'accord que là aussi, pas assez informé. Là aussi, pas assez informé, tout simplement. OK? Et je ne veux pas dire à tout. Poutine, plus que jamais, isolé. Isolé. Et de, bon, Poutine était toujours isolé, tête, dans le sens que, on connaît, l'on est dictateur, faut toujours faire le plaisir, il laisse une fausse information, tout. Tenez bien. Si je connais, si je dis, ah, et vous avez dit Poutine, on connaît, et tel côté, n'a pas perdu, oui. Et, bah, ça, n'a pas perdu dans telle zone. N'est-ce pas qu'on a le problème, l'on dit Poutine, n'a pas perdu bataille. Ça veut dire, il y a des informations pas qu'à venir. Normal, parce que tout simplement, il faut que l'information soit venue, j'en voulais là, j'en t'ai souhaité par peur. Donc c'est ça qui a passé là. Et Biden dit que Vladimir Poutine isole tête li. Comme s'il met diffé la. Et comme s'il mettait diffé pour la cali. Et gagné. Ministre de la Défense de l'Angleterre, Ben Hallas, là, le plus loin pour dire que Poutine, pas force que nous pensions qu'il était connu hier. C'est des années qui sont humiliants. Son autorité qui a dit ça, il dit, je dis pour en anglais, Poutine was not the force he used to be. Poutine was not the force he used to be. Ça veut dire, ça qu'on a répété là. Donc, il reconnaît que Poutine, pas force que nous pensions qu'il était encore. Parce que, il dit son main, son nègre qui construit un cage, peut-être autour de lui-même, il est isolé. L'armée, il a fatigué, il a souffri en pile perte. OK? Donc, c'est ça la réalité. Bon, en tout cas, il faut dire que là aussi, et qui menace pour le camper tout contrat, gaz que le gagne, et avec et d'autres pays de l'Europe. À moins que vous payez l'argent local la caille. Ça, c'est l'autre problème. Par contre, ça n'est que ça va le faire. Et maintenant, ça vous comprendre. C'est vrai que vous parlez de retrait, mais tout le monde dit tout retrait là aussi a fait là, c'est pour le réattaquer encore. Puisque Vladimir Poutine, c'est un jusqu'au bout, c'est vrai qu'il a perdu. Mais Vladimir Poutine, connaissant ce monsieur, pas parce qu'il va le bail vague, non, parce que rien que pour non. Rien que pour non. Il dit, son façon de lever mes messages, ou leur pensée. Ça veut dire, comme si vous avez un bâton nègre, ou frappé, ou frappé, les latères, ou continuent à battre tout, ou les savoir le faire. OK? Et là aussi, en fait, gagner. Zelensky là, qui gagne temps après, les amoué, amoué, là aussi, pour le préparer là, pour le faire des frappes très fort sous l'île dans Donbass, dans la région. OK?
Bon, on me dit bien, et Zelensky plein en pile tout. Moi, chaque jour, il a voué les âmes, il n'a jamais gagné les âmes, et mais il dit qu'il a voué les âmes sur lui tout. Mais de temps en temps, monsieur n'a jamais gagné ses âmes, ok? Et il y a un chef NATO qui dit que la force de là aussi, ce n'est pas retrait à faire, non, il a regroupé. Il a regroupé. Mais attendu, demain, si Dieu veut, en fait, jeudi, vendredi, et pour parler, après commencer les négociations, mais pour un peu l'acteur, et il n'y a pas pour parler ça au sérieux. C'est pour la forme, bien entendu. Et là aussi, cap redéployer l'élément de force li, tout près de Georgia pour le renforcer invasion. C'est ça. Et intelligence de la Grande-Bretagne fait qu'on est. Et je pense que là aussi, pour aller recommencer la bataille, que là aussi, pas vraiment sous bas vague. C'est ça la réalité. Donc, Kevin fait que, on va remarquer. Et market là qui te réagit positif, là où tu t'en dis là aussi, faire retrait, mais là où tu dis tout intelligent, je dis, monsieur, pas faire retrait, vrai, non, c'est replier la replier pour le bataille. Donc, on voit que market là est un petit genre retombé encore. Et maintenant, bien sérieux, là, nous sommes entrés dans le mois d'avril. Tape marché, élection pour novembre. Et démocrate qui gagne pour mission, faut que font bagaille. J'en bas, là, il n'y a pas là-bas, bon, du tout. Bon, causer Gaza, nous connaissons le transversal, tout le monde en colère. Et il y en a guerre. Donc, nous t'a parlé de et Poutine qui a dit lui-même, pour le bail au gaz, faire au pays, la monnaie la Cali. Les États-Unis, bon, côté parle pour répondre avec problème ça. Biden fait qu'annoncer là que le prêt à le mettre sous marché, en réserve stratégique, li, 180 millions barrels de pétrole dans la réserve stratégique. En fait, ça n'a pas de dire là, vous comprenez. C'est vrai que nous disons, bah, ici, nous sommes un pays capitaliste. Et le gouvernement pas, allez bien, pas subventionné gaz. Vous comprenez la différence. Il n'y a pas qu'à subventionner gaz pour faire gaz à descendre. Mais par contre, ça va le faire là, il va mettre disponibilité gaz là. Ça fait un produit cher. Nous toujours expliquer, ce sont règles simples. C'est simple. L'on pas qu'à jouer sous marché à pas gagner en quantité suffisante. Il vient cher, mais automatiquement disponible en pile, prix à descendre. C'est ça, vous comprenez. Et c'est ça qu'on va le faire là. Puisque on carence justement en matière de pétrole, donc les États-Unis qui pourraient aller dans la réserve stratégique, li, justement, pour mettre 180 millions, puisque Gaza qui gagne porte presque 2 dollars sous l'île là. Donc, Biden pourrait aller avant novembre là pour lui. Et c'est une bagaille, en pile, on a plein, on n'a pas besoin. C'est nous-mêmes qui avons fait l'analyse qui dit que ce n'est pas le gouvernement qui fixe le gaz. C'est vrai, et c'est son pays capitaliste, offre et demande. Même gens, on ne doit pas les prix, car la cap monter, prix machine, on constate, on constate. Mais pour le commun des mortels, pour un pile l'autre monde, il n'y a pas besoin qu'on ait ces démocrates au pouvoir. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin qu'on ait analyse ça. Il y a ces démocrates au pouvoir, ces démocrates qui fait gâcher. Donc, d'où l'urgence pour Biden pour que les font gens là pour le capable font et faire gaz à fond ralenti puisque l'on dit gaz chez en mi pam qu'on veut le qu'on pas veut quelle que soit logique ou fait avec moun yo a toujours une frustration. OK? Donc ça c'est pas intéressant pour causer Gaza. Maintenant si nous retournons dans la guerre là, faut nous dire que gagner là aussi qui fait appel avec des unités qui sont dans la Syrie en fait OK et des unités ça relève des mercenaires de la Syrie qui déployés là aussi yo en route y a vinn dans bataille là OK y a vinn bataille pas oublier que la Syrie c'est un allié stratégique et de la Russie. Bravo, les États-Unis étaient bataille, étaient perdus bataille qu'ils étaient besoin de faire avec la Russie. Ils étaient besoin et chavirer et président la Syrie. Ils n'ont pas jamais arrivé à faire ça. Et pas oublier que la Russie était même en faveur du président actuel. Là. Donc, soldats de la Syrie qui pral entrer dans la bataille, ça. Et on doit être à la Russie entrer là-dedans. Donc, mais on dit,
qui nous fait croire que nous plus loin que nous plus près, j'en ai pensé, hein? Nous ne comptons pas pour qu'il est là. Nous ne comptons pas pour qu'il est là. C'est avec Poutine, nous ne comptons pas vraiment qu'il est causé à finir. Donc, nous devons voter update pour nous. C'était un véritable plaisir.